Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Dragon Age Origins où on va bien entrer en lice. C'est parti, direct. Allez. Ah, vous revoilà. Je m'apprêtais à partir à votre recherche. Prête à vous battre? Ouais. Comme je vous l'ai dit, une fois le combat commencé, la liste des combattants sera scellée. Plus personne ne pourra s'inscrire et tout forfait aura valeur de défaite. Quelles sont les règles de la liste déjà? Les combats commencent dès que le gong retentit et s'achèvent au premier sang. Énucléation et brise-gonade interdits. Les règles de chaque combat seront annoncées à l'ouverture. Mieux vaut pour vous être rodé aux armes courantes et lyriaques. Exceller en combat singulier, en duo et en unité. Prête à y aller? En avant! Votre enthousiasme fait plaisir à entendre. Mais attention quand même, c'est votre dernière chance de faire vos préparatifs ou de rencontrer vos concurrents. Une fois les hostilités ouvertes, plus personne ne pourra s'inscrire. Tous les forfaits ont valeur de défaite et signent la défaveur des ancêtres. Voulez-vous commencer ou attendre encore un peu? Les quartiers des combattants sont de l'autre côté de l'arène. Allez. Dans ce cas, descendez dans l'arène. Je vous y rejoins tout de suite. Oui. Nous allons assister à une lice de gloire, disputée sous les yeux attentifs des hauts d'Orzammar pour honorer la mémoire du roi Andrin. Notre premier combattant est Celdrin, de la caste guerrière. À 12 ans à peine, rappelez-vous, Celdrin a marqué l'histoire de la lice en battant ici même son propre père. Aujourd'hui, il combat au nom du prince Belen. Face à lui, championne du seigneur Aromonte, un membre des illustres gardes des ombres. Au nom de la maison Aedukan et de notre futur roi Belen. Pour la gloire du seigneur Aromonte. Le premier à tomber est déclaré vaincu. Que le combat commence. Ok. Donc c'est un combattant au bouclier, bien bien bien. Bien écoute, direct. Allez. Boum. Grand fracas. Bam. Et bam. Et bam. Le vainqueur est notre garde des ombres. Merci, peuple d'Orzammar. Très belle entame. Garde des ombres. Celdrin n'est pourtant pas du genre à se laisser compter pleurer. Voulez-vous passer au prochain adversaire? Oui. Qui va le raconter? Vous allez maintenant faire face à Miadja et Lucian. Ce sont des jumeaux. En tant que tels, ils ont toujours été autorisés à combattre comme un seul individu. Ils appartiennent à la caste guerrière, mais leur mère était forgeron. Bref, prenez garde au marteau de Miadja. Et n'oubliez pas Lucian. C'est l'erreur que commettent la plupart des combattants avant de finir un couteau planté dans la colonne vertébrale. Vous êtes prête à commencer? Oui. Entendu, on se retrouve là-bas. Pour le chaos. Pardon. Pour Nous un allons moment. Assister à une lice de gloire, disputée sous les yeux attentifs des hauts d'Orzammar pour honorer la mémoire du roi Andrin. La championne d'Aromonte va maintenant faire face aux redoutables jumeaux guerriers qui combattent au nom du prince Belen. Miadja et Lucian. Puisse la pierre vous honorer. Dans la défaite. Et puisse la poussière avoir bon goût quand vous la mordrez. Le premier à tomber est déclaré vaincu. Que le combat commence. Ok. Bah écoute, toi, et grand fracas, voilà, direct. Et puis lâche ton arme aussi. Ah, il a disparu, le lâche, le fourbe. Ok. Mes points de vie, ça va. Boum! Allez, à toi, mon petit gars. Allez, viens là. Boum! Ah, je t'ai loupé. Ah non!
Elle m'a étourdi. Je ne peux rien faire. Ah, elle m'a mis à terre. Pas de soucis. Le vainqueur est notre garde des ombres. Merci, Orzammarien. Un combat mémorable. Deux contre un, et vous les avez défaits sans mal. Voulez-vous passer au prochain adversaire? Qui vais-je affronter? Cette manche risque d'être rapide et sauvage. Vous ferez face à Anachan, l'une des légendaires sœurs du silence. C'est un adversaire féroce, qui a voué sa vie au combat au point de se couper la langue. Vous êtes prête à commencer? Pour le chaos! Entendu, on se retrouve là-bas. J'ai une grosse épée à lui mettre dans le cul. À une lice de gloire, disputée sous les yeux attentifs des hauts d'Orzammar, pour honorer la mémoire du roi Andrin. La championne d'Aromonte s'est vaillamment battue. Mais saura-t-elle résister aux favorites des hauts eux-mêmes, les sœurs du silence? Nous le saurons dans ce combat contre Dame Anachan. Il s'est coupé la langue pour prouver sa valeur à la haute Astit la Grise. Et qui combat au nom du prince Belen. Que la chance vous sourie. Le premier à tomber est déclaré vaincu. Que le combat commence. Mais oui, t'inquiète. Alors, oh, mais t'as une épée à deux mains toi aussi. Boum. Dans ta face. Boum. Allez. Ah, mais tu fais de la magie. T'es une lâche en fait. Vite te tuer là parce que tu fais de la magie, boum, casse-toi. Le vainqueur est notre garde des ombres. Trop facile. On peut se réjouir, garde des ombres. Les sœurs du silence étaient un considérable atout dans la manche de Belen. Voulez-vous passer au prochain adversaire? J'ai besoin de repos. Fort bien, nous vous attendons. Alors. Non, mais c'est bon, range ton épée, Janine. On va sauvegarder. Parce que il y a beaucoup d'adversaires. Et ils sont techniquement de plus en plus puissants. Allez. Je veux parler à Jackie. Ah, vous revoilà. Je m'apprêtais à partir à votre recherche. Prête à vous battre? Le public est impatient d'assister à une autre victoire. Mais oui. Qui veux-je combattre dans cette manche? Ce combat ne devrait pas manquer de sel. Sel? Vous allez affronter Vojachivo, maître de toutes les armes, esclave d'aucune. Il met un point d'honneur à ne jamais utiliser deux fois la même technique. Vous êtes prête à commencer? Mais c'est complètement con. Entendu. Et le sel. On aime le sel. C'est parti. Nous allons assister à une lice de gloire, disputée sous les yeux attentifs des hauts d'Orzammar, pour honorer la mémoire du roi Andrin. Cette manche est un combat en duo. À l'image de Kyochet, qui combattait aux côtés du roi Blodlik pour défendre notre empire, les nains se sont toujours adjoints un second au combat. Maître de toutes les armes, esclave d'aucune, Vojec Ivo n'a jamais remporté deux combats de la même façon. Que fera-t-il aujourd'hui, gentil naine et gentil nain? Le prince Belen en sortira-t-il grandi? Garde des ombres, choisissez votre second, car vous allez affronter Vojec Ivo et Vélance. Pas de second, je me battrai seul. Je choisis Alistair, garde des ombres, pour m'accompagner dans ce combat. Le combat peut commencer. Que le meilleur gagne. Alistair, garde des ombres, va m'assister et va essayer de faire quelque chose de sa vie. Boum, Vojec Ivo là. Boum, Vojec Ivo. Alors, ok. Donc l'autre, il s'est mis fufu. Frappe du pommeau, vite! Boum! Allez, tape-le aussi. Boum! Ok, il est réapparu. Vas-y. Boum! Allez!
Attention, on est blessé. Le combat s'avère plus difficile. Ils sont de plus en plus forts. Ça se voit. On va mourir. Non ! Alistair, couvre-moi. Tue celui-ci. Voilà, merci Alistair. Votre Jashivo est tombé. Oui. Arrête ta couverture au bouclier. Boum ! Le vainqueur est notre garde des ombres. Merci, merci. Merci, merci, merci. Vojachivo est l'un des meilleurs guerriers à avoir foulé cette arène, garde des ombres. Aromonte a choisi avec discernement. Il en fallait au moins 15 pour m'arrêter. J'espère qu'il est meilleur que votre Vojachivo, esclave de ma botte. Qui vais-je affronter ? Vous êtes arrivé à la finale. Un combat entre deux unités au complet. Vous aurez face à vous Piotin et Dukan, et les troupes qu'il a à maintes reprises menées à la victoire dans les tréfonds. Êtes-vous prête à affronter l'ultime épreuve ? C'est l'heure du duel ! Pardon. Puissent les ancêtres choisir avec sagesse. Allons leur montrer. Nous allons assister à une lice de gloire, disputée sous les yeux attentifs des hauts d'Orzammar, pour honorer la mémoire du roi Andrin. Seul reste deux guerriers. Piotin Aedukan se bat au nom de son cousin royal Belen. Ses soldats et lui ont triomphé jusqu'ici de tous leurs adversaires. Face à lui, au nom du seigneur Aromonte, la garde des ombres s'est hissée au sommet de la compétition après une entrée pourtant inattendue. Chacun commandera une unité de 4 soldats. Puissent les ancêtres honorer les justes. Tu sais te battre, mais ton jugement est faussé. Jamais les Aedukan ne seront dépossédés du trône. Je dédie mon triomphe à la victoire d'Armand. Le combat peut commencer. Que le meilleur gagne. Pause. Alors, on a quoi ? Homme de main, c'est que des guerriers, c'est cela ? J'ai bien l'impression. Ok. En avant, Piotin, faut qu'on se concentre sur lui. En vite, Leliana, fort. Ok, congélation, congélation, congélation. Quoi ? Le lâche, vite. Soin de groupe. Leliana, vous attaquez ce con. S'il vous plaît. Quoi ? Il a fait un prout ? Qui m'a éjecté ? Pourquoi j'ai été éjecté ? Il a fait un prout qui m'a éjecté, quoi. Ok, ouais. Ah, j'ai pas eu le temps de me soigner. Bon, bah c'est mort. C'est parce que je me suis concentré sur le gros. J'aurais pas dû. Toujours tuer les ZAD, toujours tuer les ZAD. Aka, tu le sais pourtant. C'est pas grave, on n'a pas perdu. Ah ! Par contre, Alistair, tu prends cher. Pourquoi tu prends si cher que ça, là ? Et lui, incapable de lui faire du dégât, quoi. Même à son vassal. Ah. Bon, ben, là par contre, là on a perdu. On a tué un, quoi. Ouais. Bon. On va recharger, hein. Ah oui, il faut que je refasse celui d'avant. On va refaire les combats d'avant. Ah, Oui. Le public est impatient d'assister. Oui. Dans ce cas, nous allons. Oui. Garde des ombres. Choisissez votre second. Alistair.
Ok, hop. Hop. Ah, cette attaque en même temps, quoi. Cette attaque coordonnée. Hop, voilà, la terre. Oh. Ça a duré longtemps, ça, dans son fufu à lui. Là. Hop là. Et on va sauvegarder juste avant le dernier fight. On a vu qu'on s'est fait défoncer. Donc on va changer de tactique. Voulez-vous passer au prochain adversaire? J'ai besoin de repos. Ok, je vous l'avais dit hein, qu'il y avait des combats difficiles. Et on ne peut pas subir la défaite. Nous sommes le héros de cette aventure. Je m'apprêtais à partir à votre recherche. Prête. Oui, oui. Le public est impatient d'assister à une autre vidéo. Alors il ne va pas être déçu. Descendez dans l'arène. Je vous y rejoins tout de suite. Nous allons assister à une lice de gloire disputée sous les yeux attentifs des hauts d'Orzammar pour honorer la mémoire du roi Andrin. Seuls restent deux guerriers. Piotin Aedukan se bat au nom de son cousin royal Belen. Ses soldats et lui ont triomphé jusqu'ici de tous leurs adversaires. Face à lui, au nom du seigneur Aromont, la garde des ombres s'est hissée au sommet de la compétition après une entrée pourtant inattendue. Mais... chacun commandera une unité de 4 soldats. Puissent les ancêtres honorer les justes. Oui. Tu sais te battre, mais ton jugement est faussé. Jamais les Aedukan ne seront dépossédés du trône. J'ai dédié ma victoire au seigneur Aromont. Le combat peut commencer. Que le meilleur gagne. Ok, pause. Alors. Tous les deux sur lui. Toi. Tous les deux sur lui. D'ailleurs, tu vas commencer en direct. D'accord, donc c'est lui qui fait des proutes magiques. Intéressant. Et vous continuez à taper à lui là? Je vous ai demandé de le taper. Ok. Waouh. Ok. Tape-le lui. Ah oui, j'étais en train de me dire, même avec le... Je croyais qu'il m'avait fait ça malgré le soin et... Et point majeur. Ok, il m'a mis à terre, mais j'ai quand même eu le temps de prendre... non, ça sert à rien. Ah, il m'énerve avec son prout magique, lui. Capable de se battre comme un homme. Voilà. Allez. Ok, vous deux sur Piotin là. Toi, tu vas prendre ton cataplasme curatif. Voilà. Fais un soin de groupe, s'il te plaît. Voilà, merci. Tu vas prendre une potion de lyrium. Voilà. Hop. Hop. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Hop.
Pauvre petit. Ah bah ça se passe beaucoup mieux quand on tue les aides en fait. Voilà, casse-toi. Le vainqueur est notre garde des ombres. Pour un roman. Félicitations. Vous avez vaincu l'homme que le prince Trajan en personne avait surnommé les cornes de mon armée. Est-il quiconque pour contester à notre garde des ombres le titre de vainqueur? Dans ce cas, j'ai l'honneur de déclarer la garde des ombres championne de cette lice qui voit les ancêtres sourire au seigneur Aromont. Puisse l'assemblée s'en remettre aux ancêtres et choisir Aromont. Ce fut un honneur. Nous affirmons l'amitié qui lie notre cité à votre ordre. Eh oui. Merci. Voilà. Alors, on va save parce que je sens venir qu'on va nous attaquer. Pour nous contester, mais dans les ruelles. On ne va pas contester devant tout le monde. Qui es-tu, toi? Beau combat aujourd'hui. Dommage que j'ai dû déclarer forfait. Oui, c'est parce que t'es une tapette. C'est pour ça que t'as dû déclarer forfait. C'est qui, lui? Bonjour. Ravi de vous trouver ici, garde des ombres. Plus d'une personne m'a confié espérer vous voir dans la lice. Il est bien rare de pouvoir affronter quelqu'un comme vous. Pour tout dire, certaines personnes espéraient que vous participeriez à quelques animations non officielles. Non officielles, vous voulez dire illégales? Non cautionnées par l'Assemblée, pas illégales. Il y a tout un rituel qui aide les nobles à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un sport sanguinaire. Ils n'aiment pas que les roturiers se servent de la reine pour régler leurs querelles mesquines. Certains d'entre nous sont férus de réalisme, même au spectacle. Et puis, parfois, quelqu'un mérite une bonne bastonnade, et tous ces palabres nous en empêchent. Ça ne m'intéresse pas. Naturellement, vous voudrez bien garder le silence à ce propos. Ça m'intéresse pas, moi, les trucs illégaux, là, où on tabasse des pauvres gens qui n'ont rien fait... Dès que mon bras sera guéri, je te réglerai ton compte, Gashyard. Oui, bah viens, je t'attends. Bonjour. Peu importe. Ne vous offusquez pas, garde des ombres. Anasha n'appartient aux sœurs du silence. Elle n'adresse la parole à personne. Qu'est-ce qu'une sœur du silence ? C'est un ordre de guerrières fondé par Astit la Grise. La première à se battre pour que les femmes de la caste guerrière puissent devenir soldats. Voyant que personne ne lui prêtait attention, Astit se coupa la langue et se voua tout entière à l'entraînement, jusqu'à remporter une grande lice à main nue. En son honneur, les femmes qui intègrent son ordre se coupent elles aussi la langue. Et vous êtes qui ? Mon nom est Ferinden. Je suis l'entraîneur et l'interprète d'Anashan. En digne sœur du silence, elle s'est tranchée la langue pour honorer l'ancienne haute Astit la Grise. Comme vous pouvez l'imaginer, elle a besoin de mes services pour les tâches du quotidien. De quel côté êtes-vous toutes les deux? Les sœurs du silence appuient le roi en place. Elles servent loyalement les Aedukan. Alors puissions-nous toutes les deux triompher. Et puissent les ancêtres choisir leur champion avec sagesse. On a déjà gagné. En fait, on aurait dû faire ça avant, parler aux gens. D'accord. Mais allez hop, on se casse. Eh bien d'accord. Bonjour. T'es bon? Personne qui veut me taper dessus? Non, parce que vous êtes tous des faibles. Vous n'êtes que des nains. Les nains sont faibles, c'est connu. Et quoi par là? Bonjour. Il n'y a pas des lettres d'amour aussi à retrouver? Je pourrais m'en charger. Me voilà. Allez, vous le porte. Yes. Et y a rien.
D'accord. C'est une pièce vide. Soit. Ah ah ah, les tafioles, je vous ai défoncé. Ok. Et voilà. Il n'y a rien. Très bien. Et des fois, on a l'impression qu'ils ont voulu faire quelque chose de plus grand dans plein d'endroits et ils l'ont pas fait. Peut-être dû à un manque de moyens ou à un manque d'espace. Vos désirs sont des ordres. Oh, 50 points d'XP! Juste en parlant à un mur. Ça, c'est beau. Allez, on va retourner voir Aromon. Et lui dire que c'est bon. On les a tous défoncés pour lui. Donc maintenant, il va me faire un massage des pieds. Allez. Ah, remonte. Où es-tu? Moi, je cours. À votre avis, que vont devenir tous ces gens qu'on a laissés à l'Otérine? Certains parviendront à gagner des mérimes. Bon nombre mourront. Leur sort est entre les mains du Créateur. Vous n'auriez pas préféré rester là-bas pour les aider? Si nous ne mettons pas un terme à l'enclin, nous mourrons tous. Vous et moi, ici, nous servons la cause du plus grand nombre. Et pour servir la cause du plus grand nombre, on peut se permettre quelques sacrifices. J'ai du mal à voir les choses sous cet angle. Devoir laisser tous ces gens paniqués et impuissants. Ça m'a fait un choc. Il en va de votre devoir, Alistair. Le pire est encore à venir. Il faut vous endurcir, vous le savez. Endurcir, ça n'a jamais été mon fort. Parfois, je préfère trahir un poil de faiblesse. Ça ne me dérange pas du tout. Je ne vous crois pas. Et puis, de toute façon, nous n'avons guère le choix. Oui, t'es une tafiole, Alistair. On le savait déjà, ça. Le mec, voilà. Ah, oui, on a laissé des gens. Bah oui, bah écoute... Il y aura des morts hein, dans tous les cas, donc autant que ce soit pas nous quoi. Hein, tant qu'on fasse quelque chose, qu'on en sauve le plus grand nombre. Pourquoi le prince Belen est-il si méchant? Parce que. Les désirs sont des ordres. Ok, bravo mon gars. Ah, le majordome, bonjour. Si vous cherchez le seigneur du Linforunder, vous le trouverez à la Barbaude, en train de siroter sa boisson du soir. Je m'en fous de Forender. J'ai tabassé les cons pour Aromonte, maintenant je veux voir Aromonte. Allez hop. T'es où? Je vais piller ta maison moi. Terry, noble. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire l'amour, c'est ça? Tout va bien. Vous permettez, hein. Et Botnen blindé. Intéressant. Permettez, hein, je pique vos, dans vos affaires. Merci. C'est très gentil, très très sympa à vous. Bonjour. L'enclin pèse sûrement bien lourd sur vos épaules. Je vais prier pour que la pierre vous prête force. Oui, elle peut me prêter tout ce qu'elle veut, la pierre. Ah, remonte, t'es où? Allez. Les appartements appartiennent à son excellence, le généralissime Aromance. Nul visiteur n'est autorisé pour le moment. Bon, il faut aller. En fait, il fallait aller à la Barbaude, mais soit. On m'avait dit que si je combattais pour lui, j'aurais une audience. J'ai combattu. Je crois qu'on m'a menti. La Barbaude, c'était l'autre, hein, je crois. Ouais, c'est ça. En plus, je suis sûr qu'on est passé juste devant. C'est pas là. Je suis mécontent. Pour faire des allers-retours qui ne servent à rien. C'est où la Barbaude? Ouais, c'est ça, c'est au bout. Allez, hop. On se bouge le fion. Ouais, faudra que j'aille dans les tréfonds aussi. Il est vrai. Il est vrai, j'ai des choses à faire dans les tréfonds. Machin, t'es où? Nevin. Ah, il est là. Ils sont partout. Atras Vala, championne. J'ai ouï dire que vous avez accompli de véritables prouesses dans l'arène.
Il n'est plus question de remettre en cause votre loyauté. Si vous êtes prête, le seigneur Aromonde vous recevra instamment. Ah, allez. Son Excellence est impatiente de vous rencontrer. Pourquoi donc t'as été picolé plutôt que de protéger ton seigneur? Tu es un mauvais garde du corps. Son Excellence vous sait gré de votre soutien. Vos désirs sont des ordres. Ah, Romond. Et si j'étais quand même un assassin, Romond, tu ferais quoi? Je vous sais gré de vos actes, garde des ombres, et je vous présente mes excuses pour avoir imposé ces épreuves à quelqu'un de votre stature. Je suis le seigneur Piral Aromonte, votre serviteur, et vous remercie d'avoir préservé le trône du roi Andrin. Pourquoi Andrin vous a-t-il préféré à son fils? Vous l'ignorez peut-être, mais Belen avait en fait deux frères plus âgés. L'aîné d'Andrin, Treyan, a été assassiné dans les Tréfonds il y a un an à peine. Son puiné a été découvert penché sur le corps et exilé. Mais j'ai toujours trouvé étrange que Belen ait su précisément où chercher. Andrin aimait trop ses enfants pour s'élever publiquement contre lui. Mais il savait que Belen ne voyait dans le trône qu'un instrument pour asseoir son pouvoir. Les hommes de Belen disent que ses doutes sont de votre fait. Belen me tient rigueur de ne pas avoir cru à son coup monté. J'avais demandé une enquête, un procès, et non ce retour de bâton auquel nous avons eu droit. C'est un portrait bien peu flatteur d'un homme qui lui ôte en premier lieu la confiance de son père. Vous croyez plus digne de régner que Belen? Je n'ai jamais convoité le trône. Mon rôle était de servir Andrin, avant tout, en tant que conseiller. Mais aussi en Dashir, élu à l'Assemblée. Jamais les Aromontes n'ont été rois. J'avais toujours cru que Treyan succéderait à son père. Mais je me suis proposé à la demande conjointe d'Andrin et de mes collègues. Et je ne reculerai pas maintenant quand Zamar a besoin de moi. Pourquoi l'Assemblée vous a-t-elle tant de pouvoir? Parce qu'elle représente les voix des familles les plus sages et les plus nobles. Il nous faut un roi qui préside seul aux charges importantes et qui nous mène au combat. Mais l'Assemblée est plus à même de représenter tout Orzammar. Je me demande ce que vous êtes face à l'enclin. Je me demande que votre aide face à l'enclin. Pour nous, les engeances sont à péril de tous les instants. Un enclin n'invite donc pas à la même urgence que vous ressentez. En définitive, c'est à l'Assemblée de statuer sur l'envoi des troupes. Et si l'ombre de la guerre civile ne plane plus, les Dashir n'y verront aucun inconvénient. Si vous voulez que mon soutien emporte les suffrages, je dois devenir roi. Or, pour l'heure, rien ne dit que le trône me reviendra. Connaissez-vous une certaine Jarvia et le carta criminel qu'elle dirige? Ouais, j'en ai entendu parler. Pourquoi? Chaque jour, l'Assemblée entend les doléances du peuple, qui demande désespérément à ce qu'on l'arrête. Jusqu'ici, nul n'y a réussi. Le repère de Jarvia se trouve dans les taudis, la lisière de la cité, où ne vivent que parias et criminels. Si vous m'y aidez, l'Assemblée s'avisera que je suis en mesure de défendre et de gouverner cette cité, moi, et non Belen. Je vais m'occuper d'elle. Tenez-vous prêt à m'aider dès mon retour. Je pars. Chargez-vous de cela. Et je jure que si le trône me revient, je n'aurai ni fin ni cesse que l'Assemblée vous envoie vos troupes. Cherchez Jarvia dans les taudis. Évertuez-vous à ce que justice soit faite. Eh bien, très bien. On va aller voir Jarvia dans les taudis. Mais on fera ça lors du prochain épisode. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.